Dans leur marche implacable, les armées du Mordor doivent maintenant traverser les mines de la Moria. C'est en ce lieu que Gimli a choisi de mener sa dernière bataille. Mais lui et les autres survivants n'ont pas eu le temps de préparer leur défense. Et la Moria est toujours un royaume de ténèbres et de danger pour quiconque ose en franchir les portes. Sauron pourrait connaître les plus sombres secrets de la Moria et avoir confié à ses troupes un terrible rituel. Espérons pour le nain et ses alliés que le pouvoir du Seigneur des Ténèbres n'est pas encore en mesure d'invoquer en ce monde un Balrog de Morgoth. On a construit l'hôtel du Balrog, mais pour le ramener à la vie, on a besoin de pierres magiques. Alors tous dans les mines! Allons déloger toutes les sales bêtes de ces mines. On a besoin d'un endroit où se reposer. Bougez-vous, bande de flemmards, et capturez les mines! Vous êtes crétins ou seulement fainéants? Allez prendre ces mines, tout de suite! Je veux que vous preniez les mines, et plus vite que ça, minable! Alors, faut que je vous insulte pour vous faire obéir? Allez à la première chambre, pour qu'on trouve des pierres magiques! Cette mauviette de capitaine a une pierre brillante! Le maître la veut pour rappeler le démon! Allez le tuer! De quoi avez-vous peur, Emma? Il peut saigner! Frappez-le et prenez sa pierre! Capitaine et de sa pierre brillante. Tuez-le! Qu'on a besoin de deux pierres brillantes pour ça. Allez chercher la première. Bon boulot. Il saigne comme un porc. Prenez la pierre tant qu'elle brille. Le maître dit qu'on doit tuer des hommes pour rendre son pouvoir à la pierre brillante avant de la mettre sur l'autel. Alors allez-y, chien.
continuer à tuer les gars, c'est pas fini! Mettez cette pierre sur l'autel. Derrière cette porte, il y a une vieille tombe de nain. Allons lui présenter nos respects. Trouvez une baliste! Fracassez cette tombe! Un pour la pierre magique, minable. Pierre.
soufflé assez pour rendre son pouvoir à la pierre brillante. Mettez cette dernière pierre sur l'autel. Quand elle sera en place, on pourra ramener le Balrog à la vie. Écartez-vous, imbécile! Le Balrog revient à la vie. Alors ce nain croit qu'il est le maître ici. On va l'y enterrer, les gars. Arrêtez de danser avec lui! Tuez-le! Les gamins! La flamme du Dûn a été à nouveau libérée dans le monde de la Terre du Milieu. Et comme ses semblables, le nain Gimli et tous ceux qui ont osé le suivre dans les ténèbres ont été tués par cette créature. La Moria restera à jamais un lieu maléfique où nul n'ose pénétrer. Et à présent, les Nazgûl s'avancent à nouveau pour trouver les dernières victimes du Seigneur des Ténèbres.